Oui, bonjour. Nous allons atterrir. Et merci d'avoir fait affaire avec Air Inuit. Oh my God. Aujourd'hui, on a fait une super belle journée de moto hors route dans le parc national Mikko-Kemado. Vraiment, vraiment, vraiment beau. Par Messenger, un message de David Coursol. David Coursol, qui est? C'est un jeune homme qui habite au Guatemala, je crois que c'est à Antigua. Il organise des tours guidés de moto pour faire visiter le Guatemala. Et hier, il nous a envoyé le message suivant. Comme vous pouvez voir, à partir du 10 janvier 2022, maintenant, pour traverser au Guatemala, ça nous prend soit un test PCR ou un test antigène. Wouhou! Aujourd'hui, on a fait
de la petite moto, on s'est retrouvé dans un petit village. Un village. Puis on a arrêté dans une clinique, puis on s'est dit, ben pourquoi ne pas faire notre test antigène ou PCR maintenant, puisqu'on va traverser, disons, dans moins de 72 heures. Lorsqu'on est rentré dans la clinique, la jeune femme nous a dit que c'est nouveau, vous devez faire un test pour sortir du Honduras. Vous devez prouver que vous n'avez pas la COVID pour sortir et vous devez prouver que vous n'avez pas la COVID pour rentrer au Guatemala. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, mon chéri, à El Progreso? On s'est fait tester pour 24 heures. Ça veut dire qu'on a 24 heures pour se rendre au Guatemala. On est à 2 heures. Félicitations. C'est comme un certificat. Nous avons reçu notre test antigène qui c'est une espèce de certificat, hein, parce qu'il y a plein de monde qui ont déjà vu ça. Eux, ils nous ont envoyé, ils nous ont donné l'original et demain, on sait très bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ils vont faire... Bravo. Muchas gracias. On aimerait remercier Omicron. Oui. Merci Omicron pour ces belles dépenses non prévues. Au Guatemala, ils ont appris ça il y a une semaine qu'à partir du 10 janvier, il fallait faire un test PCR ou antigène. On ne savait pas, fait que nous, on se dirigeait tranquillement, on serait arrivé aux douanes, puis il aurait fallu revirer de bord. Est-ce qu'on aurait dit bonjour? On aurait dit bonjour! Au revoir! Merci à David pour nous avoir renseigné aussi sur le fait qu'il fallait faire un test pour rentrer au Guatemala, on ne le savait pas. Nous, c'est nouveau, fait que merci! Ça me fait extrêmement plaisir. Moi aussi!